my god, j'adore. Elle est trop belle, j'adore. Elles sont trop stylées. Ouh là là, on voit tout. Par ici, on est très ralufi, on adore. Alors là, non, pas du tout. On a un problème de fessiers là. Coucou mes petits moodies. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée de faire cette vidéo. Désolée, la lumière est pas ouf, il est très tôt, il est 7h du matin. J'enregistre cette vidéo avant de partir au travail. Je suis encore en pyjama. Anyway, j'ai fait les soldes sur Asos. J'ai reçu hier ma commande et je vais la déballer avec vous. On va essayer les fringues. J'ai pris des libertés qu'il ne faut pas prendre. J'ai vraiment un problème quand j'ai une obsession sur un vêtement. Même s'il n'y a pas ma taille, je prends d'autres tailles dans l'espoir que ça passe. J'espère que je ne suis pas la seule à faire ce genre de choses. En même temps, des fois sur Asos, taille c'est un peu aléatoire. Sur un malentendu, mes hanches peuvent rentrer. Voilà, je vais vous installer là. Bon, promis, on sera bientôt mieux habillé que ça. Alors, si c'est pas faire les soldes, ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais moi je vous dis, je déconne pas quand je fais les soldes, hein. C'est la fiesta. Le paquet est plus lourd que moi, nous allons commencer à le déballer. Oh, qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est la jupe. Bah dis donc, c'est beaucoup plus flashy que prévu. Ok, bon. Ouais, il y a des chaussures. J'ai acheté des chaussures, je fais la dingue. Je me suis pris autant de risques parce que je sais très bien qu'avec Asos, on peut renvoyer si ça ne va pas. J'ai toujours ce joker de renvoyer si c'est la cata. C'est quoi ça? Non mais, je sais pas, c'est ma jumelle maléfique qui a fait mon shopping. Mais la moitié des trucs, je me souviens pas du tout de les avoir achetés. Ok, let's go. Je vais aller me chercher un petit t-shirt blanc tout simple pour aller un peu avec tout. Bon, c'est parti, j'essaye la première jupe. Camille, tu dépiotes pas tout comme une sagouin. À chaque fois, j'arrache tout et après, quand faut renvoyer, je suis dans la merde. On va trier les choses, on va faire ça bien. Alors déjà, c'est quelle taille ça? Qu'est-ce que j'avais pris? On est sur ma taille, c'est bon, c'est du M. On y va. Je sais pas si c'est le bon t-shirt. Quoique, si, c'est pas mal. Oh, elle est trop stylée. Oh my god. C'est pas mal, non? J'aime trop. C'est flashy mais j'aime bien, franchement avec une peau bronzée ça peut être vraiment pas mal hein. Ça fait un peu 60s. Ça, je suis nulle en années, je dis toujours des années, je suis sûre que c'est pas du tout les années que je voulais dire. Franchement j'aime bien, qu'est-ce que vous en pensez? Je la garde hein. J'aime trop, je la garde. C'est vrai que c'est un peu plus flashy que prévu mais finalement la matière elle est agréable, ça fait un peu matière costume, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est un peu grande peut-être, elle est légèrement grande mais comme mon ventre gonfle comme une femme enceinte au cours de la journée, on est le matin, ça ira très bien le soir. C'est pas trop gros bide, j'avais peur de ça. On la garde. Alors elle c'est une jupe, j'adore, j'ai trop flashé dessus. Ça fait 3 années 2000, j'adore, on dirait les trucs de Laurie. J'ai pas pris ma taille donc là j'ai très très peur, c'est du XS. J'ai fait la dingue, beaucoup trop petit. Je suis sûre que c'est trop petit, quoique c'est bon, ça a l'air quand même assez large. Ah non, non. C'est trop serré. C'est trop serré. On a un problème de fessiers là. Mes fesses elles rentrent pas. Non, j'ai trop le seum, j'aime trop cette jupe. Je m'en fous, je vais faire rentrer quoi qu'il arrive, je rentre. Ah, j'arrive à sortir. Ça rentre pas, j'ai trop grosses fesses. Non, bah c'est mort là, je peux vraiment pas rentrer. Ça ne rentre pas. Oh non, je suis trop dégoûtée, elle est trop belle. Pff, putain Camille, il faut maigrir. Je vais la craquer si j'essaye plus. C'est mort. Camille, il faut abandonner. Pour le seum, j'ai trouvé trop belle. Camille, arrête de prendre des choses qui sont pas ta taille. Allez, bah ça, à renvoyer. Mais pour ceux qui l'aimaient bien, regardez, elle était magnifique. Magnifique. C'est beaucoup trop mini. C'est même pas possible, non mais là, c'est ras la fouf là. Regardez, ça s'arrête là, le tissu s'arrête là en fait. Hein. On va pas jouer les prolongations longtemps ici. Hein. Bon, bah écoutez, c'est parti pour la jupe ras le fion. On adore. De toute façon, par ici, on est très ras le fion, on adore. Bon. Alors là, pour le coup, c'est ma taille, hein, donc y a pas d'excuse. Oula, cacher ce sein que je ne saurais voir. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est quand même bien court, hein. C'est sexe, hein. Qui n'ont pas vu ma vidéo, là, je pense que j'ai bien appris la leçon. De mini à sexy, je vous la mets là pour que vous puissiez la regarder. Bah non, j'aime bien en fait. On est très ralufion par ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est fluide. Elle moule pas le ventre et tout, parce que moi, bon, c'est vraiment une zone que je cherche à cacher au maximum. Elle moule pas trop, donc du coup, le côté court s'annule, on est d'accord. Très nuisette, très petite maison dans la prairie, on adore. Non, franchement, elle est pas mal, hein. Très léger, c'est très agréable pour l'été. Franchement, je pense que je vais la garder. Je pense qu'on voit pas bien, mais derrière, elle est un peu plus longue. Genre, le fion ne dépasse pas. À partir du moment où on voit pas un bout de fesse, tout va bien, non? Regardez. Non, je kiffe. D'ailleurs, je vais mettre les chaussures avec parce que de souvenir, c'est des chaussures qui peuvent bien aller avec. Les chaussures! Attendez, mais je me rends compte que j'ai complètement défaillé ma tâche. Je reviens, je vais chercher les prix de tout ce que je viens d'essayer. Donc, cette petite robe que je porte là, je l'ai payée à 21€. Elle était à moins 24%, elle était à 27,99€. La petite jupe, j'ai payé 10,50€ et elle était initialement à 29,99€, soit moins 64%. Trop cool. La jupe Laurie qui ne me va pas était à 17,25€ et elle était à 48,99€, soit moins 64%. Vas-y, j'ai trop le seum, elle était trop stylée. Je suis totalement dégoûtée qu'elle m'aille pas. Ces petites chaussures, bon, j'ai très peur qu'elles soient pas confortables. D'habitude, j'achète vraiment rarement chez Asos des chaussures, mais bon. Je les ai. Oh, bah elles sont en rupture de stock.
Super Camille. C'est des chaussures qui n'étaient pas soldées. Alors écoutez, ma théorie c'est que quand on fait les soldes, on a le droit de s'octroyer une erreur de parcours. On a le droit à un craquage hors solde, ok? C'est la règle que je me suis imposée. Faut aussi savoir se faire plaisir un peu, non? Donc elles étaient à 38,99€. Il n'y a pas de réduction. Pourquoi se contenter des choses soldées quand on peut tout avoir? Enfin, pas le principe. Oula! Mais c'est vachement compliqué à mettre ce truc. Il y a des trucs d'entortillement de bride. Faut avoir fait Sciences Po pour arriver à mettre ses chaussures ou quoi? Je fais Sciences Po. Je n'y arrive tout de même pas. Voilà. Oh, elles sont grave bien. Attendez, je mets la deuxième et j'arrive. Oh, elles sont trop stylées. J'adore les gars, j'adore, j'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Elles sont ultra stylées. J'adore. Voilà, je vais tomber. Regardez-moi ces petites beautés. Plateforme, mais franchement, je vous jure les gars, j'ai jamais acheté de chaussures à plateforme haute comme ça. Et je ne sens absolument pas le talon. Ça va trop bien avec ce petit look. J'adore. Ouh, petite fente. Sexy girl. Là, on fait très Betty Boop. Sans surprise, je garde ces chaussures. Non soldées. Par contre, un truc assez bizarre, c'est qu'elles sont ultra légères. Ça m'inquiète presque. Je sais pas si elles sont faites en polystyrène. J'ai l'impression d'avoir du polystyrène à mes pieds. Camille, là, il va falloir se poser. Maintenant, ça suffit. Dis tout et son contraire. Les gens vont être perdus. Non, elles sont très bien. J'adore les chaussures polystyrène. On les garde. Stop. Je vais les garder à mes pieds, puisque de toute façon, ça va hyper bien. Avec tout, normalement. C'est le genre de chaussures qui va avec tout. On est d'accord? C'est quoi ce truc? Je crois qu'on est sur une robe poupouf là. On adore les robes poupouf. Une robe un peu genre soirée, je crois. C'est parti. Là, ça m'a l'air moulant. Ouh là là, on voit tout. Non, ça va pas aller, je sens que ça va pas aller. Je sais pas ce que j'en pense. C'est quoi le principe? On est dans H2O là. Je sais pas si vous avez vu la série H2O, c'était sur KD2A ou je sais plus quoi. La série où il y a des meufs sirènes. J'adorais. À ça dans la piscine, je faisais la sirène. Cléo et tout, bref, ceux qui n'ont pas la rêve, passez votre chemin. Ça fait très sirène quoi, on dirait des nageoires. Je trouve ça très moulant, je vois pas à quelle occasion je peux porter ça. Peut-être une occasion soirée fine. Je me sens un peu saucissonnée. J'adore le côté one shoulder, very sensual, you know. Mais ce qui me gêne, c'est le côté très moulant quoi. C'est vraiment là, on voit chaque défaut du corps. Ça moule le fion, hein. Ah, je sais pas, je pense que je vais la mettre dans une case, je sais pas, parce que... En fait, sur le principe, j'adore, mais je sais pas si j'oserais la porter quoi. Il y a peut-être des bronchies et des nageoires qui vont me pousser en plus avec ça. Ah, je sais pas! Camille, décide-toi un peu! Prends des décisions! J'adore, mais j'ai pas prévu d'aller faire la fête à Mykonos, donc je sais pas trop. La robe H2O, on la met dans la case, je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que je dois garder cette robe ou pas. Et donc, pour les intéresser, cette robe, j'ai payé 14€ au lieu de 20... La dyslexie est à nouveau présente, au lieu de 22,99€, soit moins 39%. On va réfléchir, on va dormir dessus. Oh, j'adore. My god, j'adore. Bon, c'est un peu froissé. C'est le problème, c'est que ça veut dire qu'il va falloir le repasser tout le temps. J'adore. J'adore. Par contre, ça, c'est censé se mettre comment, en fait? Ça pend derrière? C'est quoi le tips, là? On laisse pendre comme ça? Je crois que oui, hein. Oh, comme je kiffe. C'est trop stylé. J'adore pour aller à la plage et tout. Pour la plage chic, hein. Écoutez, j'adore. Après, c'est comme d'hab. Je me demande à quelle occasion je peux mettre ce truc, quoi. C'est clairement pas au travail que je vais venir le bide à l'air comme ça. Pour les vacances. Et c'est très léger. C'est très agréable. C'est matière un peu lin, vous voyez. Je vous montre. On adore ou on adore pas? Je kiffe. En tout cas, c'est très confortable. Hein. Je crois que je vais le garder parce que j'aime bien. Avec un petit panier en osier, là, vous voyez le délire. Je vais le chercher pour vous montrer. Comme ça, là. Très Saint-Tropez, très La Croisette. On adore. C'est très jet set tout ça, non? Bon, allez, on va peut-être arrêter de se kiffer, de se mater. Bon, j'adore. J'adore, je garde. Très influenceuse, tout ça. Next tenue. Ceux qui veulent la tenue Saint-Tropez, donc, c'est un ensemble que j'ai acheté en une fois, quoi. Enfin, l'ensemble est vendu ensemble. Oh, merci, Camille. Donc, c'est 25,25€ au lieu de 121,99€. Affaire de ouf. C'est moins 79%. Trop stylé, trop stylé. Je l'aime encore plus maintenant, cette tenue. Alors là, je la garde triplement. On passe à la suite. Ah, la suite, c'est cette robe. C'est là que je crois que j'ai complètement craqué et que j'ai pris... Je vois rien que ces lunettes, mais je m'en fous pour le style, je les garde. Je crois qu'on a pris du 40, c'est trop grand. Voire 42. Non, j'ai pris du 40. Normalement, c'est trop grand. Je sais pas si je prie pour que ça m'aille ou si je prie pour que ça m'aille pas, parce que si ça me va du 40, je risque d'être extrêmement vexée. Mais on y va. Je vous avoue, là, je me sens plus avec ces lunettes. Hein. Bouton, pas bouton, je sais pas. Me va, j'ai le seum. Le seum ou je suis contente? Je suis plus sûre de moi, là. Putain, je suis à l'aise dedans. Ma taille. Je crois que c'est ma taille et que je suis dans le déni. Ça va me saouler, cette histoire, moi je vous le dis. Putain, elle est parfaite. Fait chier, elle est parfaite. Elle est trop belle. Vous êtes pas prêts. Bon, par contre, je suis pas encore sûre, bouton, pas bouton. Non, je préfère fermer. Peut-être pas jusqu'au bout. Comme ça, c'est pas mal. Les gars, elle est trop stylée. Ça me va trop bien, j'ai trop le seum. C'est trop stylé. Elle me va archi bien. Oh,
comme j'adore. Bon, par contre, c'est une matière un peu bâtarde parce que, genre, c'est censé être une robe d'été, mais le jean, c'est quand même hot, hein. C'est bien pour la mi-saison. Je déteste les gens qui disent ça. C'est quoi la mi-saison? La mi-saison, t'as un bras à l'air, t'as froid en fait. Donc, y a pas de principe de la mi-saison. Vraiment des saisons qui devraient pas exister. J'adore. On adore le petit côté montgolfière, moi j'adore les trucs à manche-ballon comme ça, j'adore. Je dirais d'un coup que j'ai des épaules. J'ai les épaules pour tout avec ça. Vous validez? Dites-moi si vous validez. Vous avez intérêt, sinon je vais être vexée. Ça va trop bien avec ces chaussures. Bon, bah écoutez, on va être obligé de garder. Encore une robe qu'on garde alors que c'était censé être celle que j'allais regretter d'avoir achetée. Hein. Pour l'instant, on notera que le seul habit qui me va pas, c'est celui que j'ai pris dans une taille en dessous. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Donc cette robe, je l'ai payée 23,50€. Elle était à 53,99€, soit moins 56%. Ensuite, on a quoi? Oh, beaucoup trop de lacets par ici. Comment je vais faire pour mettre ça? Ça me soulève. Hein. J'ai commencé à défaire pour passer. Après, je saurais plus les remettre. Le challenge, c'est de rentrer dedans sans défaire tous ces lacets ici. Sinon, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à les refaire. Bon, elle a l'air canon par contre. C'est une combinaison. Bon, alors déjà, je tiens à dire que j'ai jamais eu un habit aussi facile à enfiler. Le truc est ultra élastique, donc aucun besoin d'enlever tous les lacets. Je me suis glissée dedans comme si j'avais mis de la vaseline sur moi-même. Parfait. Mais écoutez, attendez, je reprends mon petit sac. Je pense que ça peut grave aller avec. J'aime trop. Les lacets sur les côtés, est-ce qu'on adore pas? Je crois qu'on adore. Quand je dis on, c'est moi et ma jumelle maléfique. Hein. Mimi et Sexy aiment toutes les deux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir ma vidéo, passe de Mimi à Sexy, vous comprendrez. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est très joli, hein. Très très joli, vraiment, elle est canonissime. Ce qui est important à montrer, c'est les côtés comme ça. C'est une pose tout à fait naturelle et confortable. J'adore. Mais c'est une catastrophe, je vais devoir tout garder là. Comment je vais faire? Trop stylé, regardez, en plus on est trop bien dedans, c'est ultra confortable. Oh, j'adore, 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 j'adore. La combi Asos, c'est une combi Asos petite, ça veut dire que je rentre dans du Asos petite encore, je suis trop contente. Je mesure 1m60 pour ceux qui se demanderaient. Donc je l'ai acheté 29€ au lieu de 35,99€, soit moins 19%. Ah, attendez, je crois qu'on passe à ma deuxième erreur de parcours, c'est cette robe que j'ai pas pris du tout à ma taille. C'est une taille en dessous de ma taille, c'est du 36. Vu le mood de cet essayage, c'est sûr que ça nous ira pas, puisqu'apparemment je viens de découvrir qu'en fait je fais du 40. J'ai l'air d'avoir un décolleté les gars, je vous dis pas. On part en essayage de cette robe moutarde absolument sublime sur la mannequin. Je l'ai achetée en sachant d'avance qu'elle n'irait pas. Mais allons-y. Alors là non, pas du tout. C'est une catastrophe, ça va pas du tout. Le décolleté c'est beaucoup trop plongeant, faudrait faire un point. Mais vous voyez pas là, mais il y a des plis les gars. C'est quoi ça? Genre j'ai une poche de kangourou. Je profile, on m'en parle ou pas? On dirait que j'ai perdu mon placenta. Je déteste. Et en plus je vais vous montrer, c'est beaucoup trop long pour moi parce que je suis petite. Coucou! C'est quoi ça? On en parle ou pas? On a des réserves de quoi là-dedans, on se demande? C'est horrible. Ça doit être mes hanches qui sont trop larges, je sais pas, ça doit faire des plis. Vraiment pas flatteur. Et c'est beaucoup trop long pour moi, regardez. Même avec des talons. Non, rien ne va. Rien ne va dans cette robe, je suis immonde, je déteste. J'aime que la couleur. On oublie la robe placenta Kangoo Junior, c'est jarté. Donc cette robe placenta, je l'ai payée 22,50€ au lieu de 55,99€, soit moins 59% pour ceux qui seraient intéressés, qui n'auraient pas un corps de bouteille comme moi. Allez-y. Sur des filles très très fines comme ça, c'est absolument magnifique. On passe à la suivante, c'est une robe blazer. Ok, c'est comme ça. Par contre, c'est une blague, là, le bouton qui est déjà décousu. Ça m'énerve déjà, ça m'énerve. Par contre, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis fan. Je recule un peu pour vous montrer. J'ai voulu prendre cette robe blazer short parce que j'adore le principe des robes blazer, sauf que souvent, je trouve que c'est trop court. On sent un peu à poil et quand c'est plus long, ça fait un effet moche. Et donc j'aime bien l'idée d'être en sécurité avec un short. Par contre en fait personne ne sait qu'il y a un short là. C'est ça qui me gêne un peu. En fait il y a un short hein, là-dessous. J'ai dû enfiler d'abord le short qui est collé à la combi puis mettre le reste. En vrai je suis en sécurité. Derrière on voit que c'est un short. Je suis en sécurité mais ça donne toujours un effet un peu court peut-être. Et je sais pas si je serais totalement à l'aise dedans. Ça dépend des circonstances on va dire. En fait j'adore, je la trouve vraiment trop belle. Elle est trop belle non? En plus on est encore sur des manches montgolfières comme j'aime. Ça va trop bien avec ses chaussures. Ça fait des grandes jambes et tout, c'est joli, hein, mais un peu court, quoi. Moi, ça me dérange pas de porter du court, mais c'est juste, je sais pas si j'oserais la mettre au travail, quoi. C'est un peu, derrière, ça fait un peu court, même si c'est un short en vrai. Hein. Je vais la garder, ça c'est sûr, parce que je l'adore. Je sais pas à quelle occasion je la mettrai. J'ai acheté que des trucs que je peux mettre que le week-end, ça fait chier, quoi. Non, en vrai, c'est classe quand même. C'est juste qu'il y a décolleté plus jambes. Un short, je vous jure, hein, il y a aucun accident qui peut arriver. Ça, j'adore, je kiffe. Et donc, ce que vous attendez tous, c'est le prix. On est sur une robe à 27,75€ et elle était à 68,99€, moins 59%. Franchement, ça vaut le coup. En tout cas, bon, je pense que je vais la garder. Très femme d'affaires, très pole dance, très secrétaire cooking quand même un peu, mais bon. Et voilà, ce haul spécial solde est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vais faire un petit bilan financier de ce que j'aurais dépensé. J'ai quand même fait pas mal d'économies, sachant que Asos a aussi une réduction supplémentaire de moins 20% en appliquant un code sur le site qui m'a permis de gagner encore
encore après cette réduction 28,61€. Et la livraison est gratuite, donc ça c'est top et on peut tout renvoyer. Donc en fait, j'ai payé 201€. Je vais rendre deux habits qui vont me faire économiser 39,75€ de plus. C'est important de le préciser pour se rassurer. J'aurais eu un total, pour ces soldes, de 161,38€ pour 8 pièces, dont un ensemble dans les 8 pièces. Donc je trouve que c'est vraiment super quoi. J'ai vraiment fait des bonnes affaires et je suis super contente de tout ce que j'ai reçu. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée en commentaire, lesquelles vous auriez gardées ou non. À l'heure où je poste cette vidéo, il reste encore une semaine de solde, donc c'est le moment de profiter, il va y avoir des démarques encore plus intéressantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Commentez, likez, partagez à vos amis. En ce moment, je poste une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches à 18h. Donc restez connectés pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, où je poste ma vie au quotidien, je réponds à tous mes DM. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !